So start, everybody. Start, everybody. Welcome to the pilot episode of Mediocracy. Welcome to this, Ajik, New West TV, CHCO TV, and Ricochet. Mon nom est Simon Van Vliet. Je suis président de l'Association des journalistes indépendants du Québec. And I'm Kathy Edwards, executive director of the Canadian Association of Community Television. Nous allons co-animer ensemble Médiacratie, une émission où il sera question du rapport entre les médias et la démocratie à l'aube du 150e anniversaire du Canada. When talking about the media, we all hear phrases like media ownership, concentration, net neutrality, diversity of voices. Over the course of the Mediocracy series, we'll be exploring what these terms mean and how they are applied here in Canada. L'émission donnera la parole aux spécialistes et se penchera sur les enjeux de l'heure en ce qui concerne les médias et l'information au Canada. But best of all, we want to hear from Canadians and air your thoughts and ideas each week by phone and Twitter. Ce soir, dans le cadre du pilote de l'émission, nous vous invitons à partager votre point de vue concernant la consultation lancée par la ministre du Patrimoine sur le contenu canadien dans un monde numérique. For those of you who haven't heard of the consultation, the Heritage Minister has posted three questions and a background document online at canadiancontentconsultations.ca. Donc, la consultation est lancée en ligne sur consultationcontenucanadien.ca et ce soir, les auditeurs et les auditrices peuvent nous faire part de leurs réflexions sur ces questions par Twitter et par téléphone. And after tonight's broadcast, we'll submit a report that summarizes your comments and they'll become part of the official record of the consultation. Avant de commencer l'émission, nous aimerions remercier les partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ce premier épisode qui est diffusé en direct depuis Ottawa et Montréal, mis en ligne à New Westminster en Colombie-Britannique et retransmis sur le câble à travers tout le pays depuis St. Andrews au Nouveau-Brunswick. Thank you to Ravel.ca, OpenMedia.ca, and Ricochet. You can watch the live stream from any of these websites, as well as the website of Cactus and Ajik. Donc maintenant, avant de nous pencher sur les questions proposées par la ministre pour lancer la conversation en septembre, parlons un peu des transformations en cours dans l'univers des médias. So while you can still watch traditional broadcast TV over the air, on cable and with satellite subscriptions, and you can still buy books and paper newspapers, of course. As we all know, more and more information is moving online. Les politiques culturelles au Canada ont traditionnellement cherché à soutenir la production de contenu canadien et à rendre ces contenus disponibles à la population, principalement par le biais des médias audiovisuels ou des médias écrits. So, for example, broadcasters and magazine publishers that want to access government support have to offer a minimum percentage of Canadian content, and cable and satellite packages have to include Canadian channels. Avec l'arrivée des services de distribution à la demande comme Netflix, qui ne sont pas tenus de contribuer à la production de contenu canadien, c'est tout l'écosystème de financement des médias qui est perturbé. So Canadian television distributors like Rogers, Bell, Shaw, Videotron right now have to contribute to the production of Canadian content. But foreign services like Netflix don't. So the Canadian distributors are claiming that it's unfair competition. C'est donc dans ce contexte que la ministre du Patrimoine a lancé en septembre des consultations sur le contenu canadien dans un monde numérique. So here are the three questions that the Heritage Minister is asking. The first one is, what does a cultural system that supports creators and respects citizens' choice look like? Donc, en français, quelle est votre définition d'un système culturel qui appuie les créateurs et respecte les choix des citoyens? Second question, how do we support Canada's artists, content creators, and cultural entrepreneurs in order to create a cultural ecosystem in which they thrive and which will benefit the growth of our middle class at home and help them reach beyond our borders? En français, comment pouvons-nous appuyer les artistes, les créateurs de contenu et les entrepreneurs culturels canadiens afin de créer un écosystème culturel qui leur permettra de s'épanouir et de dépasser nos frontières tout en favorisant la croissance de la classe moyenne au pays? And the last question is, how can we meet the challenge of promoting Canada's creativity in the digital world? And how can we use digital content to promote a strong democracy?
Et la troisième question, mais non la moindre, comment pouvons-nous relever le défi de promouvoir la créativité du Canada dans le monde numérique? Et comment pouvons-nous utiliser le contenu canadien pour favoriser une démocratie forte? So that's our job for tonight. We'd like to generate a conversation and ideally a consensus around these questions to remit to the Heritage Minister. Some of the questions are actually two or three questions, so we'll take them one at a time and invite you to call us or tweet your comments. So the first question again was, what does a cultural system that supports creators and respects citizens' choice look like to you? Donc, notre objectif pour ce soir, c'est de formuler ensemble des réponses à ces trois grandes questions qui contiennent souvent plusieurs sous-questions. Alors, on va les prendre une par une et recevoir vos appels, vos commentaires sur Twitter au fur et à mesure. Pour commencer, donc, on revient à la première question. Quelle est votre définition d'un système culturel qui appuie les créateurs et qui respecte les choix des citoyens et des citoyennes? So, the toll-free number to call is 844-533-0727. Donc, le numéro de téléphone pour nous joindre, numéro sans frais, c'est le 844-533-0727 que vous voyez apparaître à l'écran. So, to comment on Twitter, the hashtag is MediaCR. Et pour commenter sur Twitter, le mot-clé est MediaCR, tel qu'il apparaît à l'écran également. So Simon, the phrase at the end of the first question is about respecting citizens' choice. It seems to me that just means we have to respect citizens' choice now because people can't be forced to buy cable and satellite packages that include channels that they don't want. And we can't even force people to buy magazines and books if they want. They can get it all online. Is that what that question seems to be getting at to you, the first part of it? Ce que je comprends avec la première question, c'est qu'on cherche à savoir comment s'adapter au fait qu'on ne peut plus forcer les gens à consommer du contenu canadien. Et donc, il faut se demander comment s'adapter à ce nouvel environnement-là où les fournisseurs de contenu les plus financent de la production de contenu canadien. Donc, la question, au fond, c'est qui doit s'adapter et comment? C'est une grande question qui demeure entière pour ce soir. So it seems to me like the main part of that question then is in an environment where we can't necessarily expect traditional TV providers to kick into the system anymore because they're losing market share. How do we support creators? What's going to step into the gap? Donc, c'est clair qu'en sachant que les câblos distributeurs perdent des parts de marché sans cesse au profit des services en ligne qui ne contribuent pas au contenu canadien, la question essentiellement, c'est de savoir comment soutenir financièrement la création de contenu canadien autrement que par les méthodes traditionnelles de redistribution des revenus qui existent depuis des décennies au Canada. And the question seems to me to assume two other things too. One is that the cultural system should be supporting creators, because not everybody will necessarily agree with that. And secondly, that creators should be supported regardless of whether they're creating CanCon or not. So for example, if a filmmaker is shooting in Toronto but trying to make it look like New York with American actors, should they get the same kind of support as something shot on the prairies? And what kind of support should it be? Should it just be fair tax, competition, and copyright rules so we're all in a fair playing box? Or should it be support through hard cash, the way we've seen it in Canada up till now with Canadian periodicals, TV, and film? Donc, si on part du principe que le système culturel doit soutenir les créateurs de contenu canadiens, il reste à savoir si tous les types de contenus ont besoin d'être financés de la même manière, ou en d'autres termes, est-ce que les mécanismes de financement public qui existent actuellement sont suffisants ou adéquats dans le contexte numérique? Est-ce qu'on doit simplement adapter ceux qui existent ou en développer de nouveaux? Et on peut évidemment se demander aussi si certains contenus pourraient ou devraient s'autofinancer carrément. So the number to call again is 844, it's toll free, 533-0727, and the hashtag is MediaCR. Donc, vous pouvez nous joindre par téléphone, on va ouvrir les lignes bientôt. There's some other interesting things in the background paper for listeners that want to read more. It's about 6 pages long at the Heritage Minister's website. There's a few interesting comments in there. One of them, the statement is, we need to do a better job of promoting creative environment and talent.
and fostering quality, innovation, and risk-taking. And it leapt out at me, coming from a community media background, because I think that that's one of the roles that community media has always played. It's sort of been a low-risk environment where both amateurs and professionals can upgrade their skills, test drive pilots and ideas. What do you think, Simon? Well, évidemment, la question de promouvoir un environnement créatif, c'est un peu des mots-clés, des buzzwords, comme on dit. La vraie question, effectivement, c'est comment sur le terrain est-ce que ça se traduit? C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Est-ce que, par exemple, les médias communautaires ou les médias indépendants sont des espaces qui permettent de repenser la façon de construire, de produire les contenus canadiens comme le font les médias communautaires depuis des années? C'est une excellente question à laquelle il faut se pencher. Le document de consultation insiste beaucoup sur l'idée de prendre en compte les attentes des citoyens, permettre aux gens de choisir les contenus qu'ils souhaitent regarder, écouter, partager. C'est bien beau, mais la question, au fond, c'est ces contenus-là, qui les produit et comment est-ce qu'ils sont soutenus? On peut se poser la question, il y a deux grandes catégories de contenus canadiens. Il y a le contenu de fiction et le contenu non-fiction. Est-ce que les contenus d'information et les contenus de fiction doivent être soutenus de la même manière? C'est une autre question qu'on peut se poser. Yeah, that's true. There's some other things in the background paper that I found interesting. There's a statement that said, the environment is more fluid. Traditional lines between creator and user, artist and audience, professional and amateur, citizen and journalist are blurring. So I think that's a given. Everybody knows that anybody can blog, or anybody, I guess, that's literate and has access to an internet account can blog. But I think not all groups have equal access. So, for example, if we think of immigrant communities who may not yet have mastered either of our official languages, or technology barriers that people have, you know, not everybody knows how to design a website or shoot a video to put online. So I think it's true that the lines are blurring, but it doesn't necessarily mean that any amateur can make the jump to professional journalists. And again, while we're waiting for calls, coming from a community media background, that's what I see in some of these senses that I read in the background paper. Effectivement, la question de savoir, ça revient à ce que je disais, qui produit les contenus? Tout le monde, dans un monde numérique, peut produire des contenus. Donc, la question, c'est de savoir comment canaliser ces différents contenus-là vers les différents publics en fonction de leurs intérêts. Évidemment, dans cette question-là, il y a toutes sortes de sous-questions à savoir si des créateurs de contenu le font de manière bénévole versus les créateurs de contenu professionnels. Comment faire en sorte d'équilibrer les rapports de production, de distribution de ces contenus-là, de s'assurer que les meilleurs contenus trouvent leur public et qu'on ne se retrouve pas à avoir des contenus qui circulent en vase clos, qui sont complètement, pris entre les... Qui se perdent finalement dans le grand espace qui est l'espace numérique où il peut y avoir beaucoup de résonance pour certains contenus comme il peut y en avoir très peu. Donc, la question, c'est aussi de savoir comment développer les publics dans ce contexte-là. Peu importe s'il s'agit de contenu de fiction, de contenu de non-fiction, de contenu professionnel ou de contenu amateur. So do you think that the question is the same in the Quebec environment, Simon, as in the rest of Canada? That the ways that we need to support creators, whether it's in English or French, are the same? Or do you think there's two different, well, cultural environments, but also possibly regulatory or policy environments? Je pense que l'environnement est, bon, évidemment, avec des particularités pour les communautés de langue minoritaire, que ce soit les anglophones au Québec, les Premières Nations, les francophones à l'extérieur du Québec, il y a des enjeux différents. Ça reste que dans la question qu'on se pose ici,
au niveau du contenu canadien, de comment soutenir les créateurs. Il y a la question de la rémunération des créateurs qui se pose, je pense, de la même façon pour tout le monde au Québec comme dans le reste du Canada, à savoir comment faire en sorte que les gens dont c'est le métier de produire des contenus culturels, des contenus d'information, puissent en vivre de façon décente, de façon digne et avoir un niveau de vie qui leur permet de faire du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux attentes de la population canadienne. So your focus, you see the main challenge is how do we make it sustainable for the creators? And that applies across different cultural groups, whether it's First Nations, Quebec creators, or creators in the rest of Canada then. Absolument. The other, was there any other comments in the paper that jumped out at you that were background to this question? Because I find the questions on their own, they're not as filled out as when you read what the Heritage Minister and her staff seem to be getting at when you read the full paper. C'est certain que, comme on dit, il y a beaucoup de sous-éléments dans ces questions-là. Un des éléments centraux dans ce premier volet-là de la consultation, c'est vraiment l'idée d'aider les créateurs, les créatrices de contenu de manière équitable pour leur permettre de produire du contenu qui se démarque. Donc, il y a une idée qui est intéressante là de dire il faut offrir un soutien équitable à toutes les personnes qui créent du contenu, qui répond à des besoins. La question qu'il faudrait approfondir, qu'il faudrait être capable de mieux définir, c'est quelle forme prendrait un soutien équitable. On sait qu'il y a des institutions qui existent depuis des années, que ce soit des institutions de production ou de diffusion comme Radio-Canada, CBC, l'Office national du film. Il y a des organismes de soutien à la création, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada. Mais ces organismes-là ont été conçus dans un contexte qui est totalement différent du contexte actuel et donnent accès au financement à un certain type de producteurs de contenu, mais exclut toute une gamme de producteurs de contenu qui pourraient avoir des besoins de soutien, certainement, mais qui pourraient aussi produire des contenus différents qui répondent à des nouveaux besoins que ces institutions-là n'ont pas été conçues pour prendre en compte. So if I'm getting this right, coming from AGIC, which is the Association des Journalistes Indépendants du Québec, your concern or what I'm hearing is that people or journalists or creators that are working for our big established institutions like the CBC, Radio-Canada, the NFB, that it should be more of a level playing field with independent suppliers of creators outside. But do you think in the new environment, I'm playing devil's advocate here. Does the government owe creators a salary? And if there's no line, hard and fast line between an amateur at home blogging and a freelance wannabe journalist that's just moving their way up and a professional journalist, then how do we figure out, what's fair? I mean, free market analysts would say, go play in the big world. If people want to see your stuff and they're willing to pay for it on a monetized platform, then great. What would you say to those people? C'est une question intéressante de savoir est-ce que c'est vraiment à l'État, au public de financer la production des contenus ou est-ce que c'est, est-ce que, comme on l'évoquait un peu plus tôt, est-ce que c'est est-ce que certains contenus devraient s'autofinancer? La question qui reste en suspens, puis on pourra l'approfondir plus loin dans l'émission, c'est aussi de se dire qui doit payer. Est-ce que ce sont les gens qui consomment les contenus qui doivent payer à la pièce directement ou est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de redistribution des revenus des câbleaux distributeurs, des grandes entreprises qui font de l'argent en distribuant des contenus sans nécessairement redistribuer ces revenus-là. Donc, il y a une partie des revenus des câbleaux distributeurs qui sont remis dans la production de contenu canadien, mais les câbleaux distributeurs
font un peu la même chose que ce que font les grandes entreprises comme Netflix. Ils canalisent des revenus, ils les retirent de l'écosystème de la production pour les investir dans d'autres activités, étant donné que leurs activités sont intégrées à travers la production de contenu, la télédistribution, parfois d'autres secteurs, ce qui fait qu'il y a des revenus qui s'échappent à l'intérieur même du système actuel qui devraient pouvoir être captés et redistribués directement vers les producteurs de contenu. So if I've understood you rightly, and for Anglophones who are following along, you think that TV distributors in Canada, like cable and satellite distributors, should be supporting Canadian content more. You feel that there's a lot of internal loss in the system. I mean, this is a case that Cactus has been making from the point of view of community media, certainly since we were founded in 2010, that there's, until this year, there was $150 million allocated, at least on paper, that was supposed to support community-generated content, so to provide those low-risk platforms where people could learn and experiment. But the money wasn't really administered by communities. It was administered by cable companies, and there's been questions raised over several hearings by ourselves, but also others, about whether communities are really getting to spend that money. But their answer in this might be that that's the old world, everything's changing, but that's not fair for them to have to contribute anymore when companies like Netflix are not contributing anything. What would be your response to that? Ce qu'on sait, c'est que les compagnies de câble distribution, de télévision, sont de plus en plus intégrées à des entreprises qui ont d'autres activités, d'autres secteurs. Donc, les revenus qui sont générés par la câble distribution alimentent les autres secteurs de ces entreprises-là. Donc, quelque part, de dire que si Netflix ne fait pas sa part, les compagnies canadiennes qui engrangent des revenus importants en distribuant des contenus qu'elles ne produisent pas nécessairement. Il y a une question là d'équité. Si on demande à Netflix de contribuer un montant pour les contenus qui sont distribués, mais sans soutenir la production canadienne, on pourrait en faire autant des compagnies de câble qui diffusent des productions non canadiennes et qui génèrent des revenus en faisant la distribution de ça. Aussi, les revenus de télédistribution par téléphone, la télédistribution mobile, les données mobiles, ce sont des contenus qui ne sont pas forcément produites par les compagnies, les fournisseurs d'accès à Internet. Donc, si il faut financer les contenus à hauteur des volumes de données qui sont distribués, bien, à ce moment-là, les compagnies de câble, les compagnies de télédistribution, les fournisseurs d'accès à Internet pourraient être appelés à contribuer de façon beaucoup plus importante à la production de contenu canadien. Donc, on parle de reprendre le même principe de redistribution des revenus, mais d'élargir le spectre des contenus qui sont assujettis à ces redistributions-là. So, for our Anglophone viewers, if you were following that, Simon made a bunch of complex points, even for me. But what I mainly took out of it is that cable and satellite operators, although they may be losing some revenues now that people are pulling the plug and canceling subscriptions, those are the same companies that have profitable mobile, telephone, cable businesses that they should be able to cross-finance. So as parts of their business model are dying, new ones are open up, and this is part of the new environment that we're in. It's interesting that you raise that, because that was a point that we made at the recent local and community TV policy hearings, that the cable companies that had up until this year supported community television throughout our history were going to the CRTC saying, we can't support private news anymore. These are the same companies that have now bought Global, bought Shaw, Videotron owns TVA. They were saying news isn't paying for itself anymore with local advertising, so we want to redirect that money
that's supporting community TV to local news because it's more important. And the CRTC said, yes, okay, you can. But it seemed very ironic to us because those companies, with just within the last 5 years, BellBot, CTV, ShawBot, Global, those companies said that they had the deep enough pockets to support news. Everybody knew that news was becoming less profitable and that we needed big Canadian companies to do it. That's why that level of media ownership concentration was allowed. And now, yet within 5 years, they've, what we would view it as, you know, I've got my cactus hat on and our moderator hat on here. We really do want all kinds of opinions at the table. But it struck us as, you know, coming back to the trough within 5 years, you know, in bad faith, trying to take money from another pot when they had committed to support those forms of production. So interesting. On the Netflix tax, I know that there's at least two discussions of how companies like that could be taxed. There's discussion, of course, of having an ISP tax so that your internet service providers are taxed and contribute to CanCon. But then there's groups like Open Media who are streaming tonight's show and have promoted it that are really against an internet tax because they think it'll make our internet as Canadians more expensive than it already is. They say it's one of the highest internet rates in the Western world. And they say that they would be more open to something like a specific tax on the content carriers like Netflix, not the whole internet, but just the Netflix. But then the problem is, I was, you know, speaking to some employees at Canadian Heritage within the last couple of weeks, they've had these roundtables who said, well, how do we do that? These companies are not resident in Canada. So there's a lot of complicated interleaved issues, and that's why the Heritage Minister is having a consultation because there's no easy answers. Mm-hmm. Ce que Cathy soulève, il y a toutes sortes d'enjeux dans que cette discussion là ouvre. Une des questions, c'est le fait que les compagnies de câbleaux de distribution, les compagnies de satellites, sont les mêmes compagnies qui sont propriétaires des médias d'information, des chaînes de TV, des chaînes de radio, parfois des journaux écrits, des magazines. Et le contenu d'information est de moins en moins rentable et donc se voit de plus en plus disons, sous pression dans un contexte numérique. Mais pour revenir à la question qui est au cœur de cette discussion-là, elle évoquait la fameuse taxe Netflix, donc une taxe qui permettrait de redistribuer des revenus de Netflix à travers, par exemple, une taxe sur les services, sur les fournisseurs d'accès aux services Internet, donc où les fournisseurs d'accès seraient taxés pour les contenus de Netflix qui sont distribués, mais ça soulève des questions parce que à ce moment-là, ben ce serait tous les utilisateurs d'Internet qui auraient à payer pour permettre la diffusion de ces contenus-là. Donc, il y a des gens comme Open Media qui parlent de taxer spécifiquement les contenus qui seraient diffusés par Netflix. On peut penser à toutes sortes d'autres secteurs qui se posent la même question. L'industrie de la musique s'est confrontée à ces enjeux-là il y a déjà une quinzaine d'années. Maintenant, on voit des modèles émerger comme Spotify qui font dans le secteur de la musique essentiellement la même chose que ce que Netflix fait dans le secteur des contenus télévisuels, c'est-à-dire qu'on donne accès à toutes sortes de contenus, mais il y a très peu de revenus qui sont redistribués vers les créateurs de contenus initialement. Et donc, une des questions qui se pose dans l'environnement numérique, c'est la question des droits d'auteur, hein, donc la capacité qu'on a, qui est de plus en plus limitée, à concilier la diffusion des contenus et la rémunération équitable des gens qui créent ces contenus-là. On va sûrement l'évoquer plus tard quand on va parler des autres, quand on va aborder les autres questions, mais est-ce que la question centrale n'est pas là, au fond? Comment concilier le fait qu'on veut rendre le plus d'œuvres possible accessible au plus de gens possible, mais en faisant ça, les revenus qui sont générés sont captés
par les intermédiaires qui distribuent et redistribuer de façon infime aux gens qui créent les contenus initialement, ce qui a pour effet d'affaiblir, d'appauvrir le contenu qui est produit par effet d'attrition, par le fait que les créateurs ont de moins en moins de ressources pour créer des contenus, vu qu'ils tirent de moins en moins de revenus de leur distribution. So Simon was touched and raised the issue of the rights, copyright, and the complexities of compensating creators for content that's posted online. Of course, there's big content distributors like YouTube, which are, encouraging and helping content creators to follow up and remove content if it's being illegally played. But that's, you're right, that's another whole ball of wax. I just want to encourage people, if you haven't tuned into a bilingual platform for dialogue like Mediocracy tonight, if you call in, you can speak to the person that speaks your language. We'll translate it so that other viewers can call, but please don't be shy for that reason. It was important to us we could have a dialogue that crosses linguistic boundaries, since these are national questions. And what's needed to protect and promote Francophone culture is not necessarily the same as what we need to promote Anglophone culture. The number to call in again is 844-533-0737. I think we're going to move on to question two in a minute. Simon, anything else you wanted to say before we wrap up question one? Je reprendrai ce que tu disais par rapport au bilinguisme de notre émission, qui est assez innovateur. Alors, si vous appelez, si vous voulez participer à la conversation, vous pouvez nous parler dans la langue de votre choix. On va s'assurer de faire en sorte que votre point de vue soit exprimé dans les deux langues, un peu comme on le fait depuis le début de l'émission. Alors, n'hésitez pas à nous appeler 844-533-0727. Les questions sont très larges, on le voit déjà avec cette première question-là. Et donc, si vous avez des réflexions que vous souhaitez partager par rapport à ce dont on vient de discuter, Cathy et moi, dans la dernière demi-heure, vous pourrez toujours les ramener dans les autres questions. Vous allez voir, il y a des éléments qui se recoupent. On va poursuivre avec la deuxième question bientôt. Et puis, l'idée de la tribune d'aujourd'hui, hein, je vous le rappelle, c'est d'essayer de faire émerger des idées, des consensus autour de ces questions-là pour soumettre, dans le cadre des consultations lancées par la ministre du Patrimoine en septembre. Donc, n'hésitez pas à participer. Le dialogue est ouvert pour ça ce soir à Mediocracy. So we are going to move on now to question two. The Heritage Minister's Kit asks us to summarize the most important three points that come up in response to each question. So if you have comments that you want to make after the broadcast, if you've been watching but haven't called in, feel free to post comments on the mediocracy.ca website. The website address is posted there. And you can also, of course, the Heritage consultation closes on November 25th. So if you prefer to upload your comments directly, the website is www.canadiancontentconsultations.ca in English and www.consultationcontinucanadien.ca en français. For those of you who've just joined us, I'm Cathy Edwards. I'm with Simon Van Vliet. We're discussing tonight the questions posed by the Heritage Minister as part of the Canadian consultation, the Canadian Content in a Digital World consultation. Donc, Cathy Edwards et moi sommes ici pour vous inviter à nous faire part de votre point de vue sur les enjeux liés au contenu canadien dans un monde numérique. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou en participant à la conversation en utilisant le mot-clic MediaCR sur Twitter. Alors, on est maintenant à la deuxième question. Cathy va vous la présenter en anglais. So, the second question is, and this is a big one. How do we support Canada's artists, content creators, and cultural entrepreneurs in order to create a cultural ecosystem in which they thrive? So similar to the first question in a way,
But the second part is new. And that will benefit the growth of our middle class at home and help them reach beyond our borders. Alors, en français, une deuxième question qui reprend certaines des idées dont on vient de parler. Comment pouvons-nous appuyer les artistes, les créateurs de contenu et les entrepreneurs culturels canadiens afin de créer un écosystème culturel qui leur permettra de s'épanouir et de dépasser nos frontières tout en favorisant la croissance de la classe moyenne au pays? So, Simon, the first half of this question repeats what we heard in question one, I think. How do we support our creators? But the second half has got two new elements. First of all, how can cultural policies support the growth of the middle class at home? An interesting idea. And second, how can we export our culture? Well, what do you make of that? C'est effectivement une question qui contient beaucoup de sous-éléments. On a un premier appel qui veut se joindre à nous. Alors, je propose de le rentrer dans la conversation ici, si tu permets, Cathy. C'est Hugo Prévost qui nous appelle de Montréal. On a abordé toutes sortes de choses ensemble dans la première partie de l'émission. Alors, Monsieur Prévost, vous avez des réflexions à partager sur ces questions-là qu'on a évoquées? Oui, bien, en fait, Simon, je pense qu'on peut se tutoyer. On se connaît quand même assez bien. Bonsoir à vous deux. J'écoute depuis quelques minutes. J'espère pas arriver trop tard pour la discussion un peu sur, bon, on parlait de taxes métriques tout à l'heure. Puis justement de comment bon financer le contenu canadien quand on est de plus en plus nombreux à aller sur Netflix et bon d'autres services qui justement ne sont pas canadiens. La réflexion, ben, en fait, si je peux me permettre de me prononcer là-dessus un peu, là, et peut-être que même justement ça revient un peu à la deuxième question là, qui est d'encourager sortir un peu des frontières. C'est un peu, oui, la question d'une taxe, de dire on va taxer les services web, puis on va finalement forcer les entreprises étrangères à respecter nos normes fiscales pour correspondre à ce que le CRTC a déterminé, par exemple, ce que le gouvernement a déterminé comme étant les bonnes pratiques au pays. Le problème avec ça, c'est un réflexe passéiste un peu. C'est quelque chose qui est passé date parce que c'est le réflexe automatique de dire, ah, quelque chose qui ne fonctionne pas, on perd de l'argent quelque part, on va taxer. Et on le voit avec Spotify, on le voit avec, bon, l'industrie, c'est encore un peu le cas au Québec, c'est le cas ailleurs au Canada aussi, l'espèce de panique de l'industrie de la musique qui dit, oh mon Dieu, on n'a plus d'argent, nos artistes ne font pas d'argent, il faut taxer. Il faut que Spotify donne plus d'argent aux créateurs, il faut que les services de streaming redonnent de leurs profits aux artistes. C'est la même chose, effectivement, avec la télévision et le cinéma d'ici. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le problème, c'est que, encore une fois, si on regarde ce qui se fait ailleurs, on regarde, bon, ça c'est le domaine des médias écrits, mais on a du financement à coût de millions de dollars pour dire... On finance des magazines de cuisine, on finance des magazines de potins, on finance des médias qui sont pas vraiment des médias, selon moi. Et de l'autre côté, on dit, bon, on va taxer Netflix, Spotify et compagnie. Il faut travailler sur les deux plans, selon moi. Il faut peut-être, oui, taxer Netflix, Spotify, les streaming. Le problème, c'est que les gens vont là parce que c'est pas cher. Si on se met à avoir un Netflix qui coûte 30$ par mois, qui est aussi cher que le forfait de câble, je vais recommencer à pirater. Je vais sur Netflix, je suis d'accord pour payer pour ce contenu-là, pour ce service-là, plutôt que d'aller sur les torrents ou quoi que ce soit, parce que c'est abordable. Donc, on ne peut plus revenir en arrière et dire on met ça à 30$, on met ça à 50$, ou peu importe. De l'autre côté, c'est ça, de dire on met des millions sur la semaine ou le lundi ou des magazines à potins. Et peut-être qu'on peut mieux redistribuer cet argent-là. On peut peut-être jouer sur les deux tableaux. Là. Je sais pas, c'est une très longue tirade, je m'excuse. Mais peut-être que ça peut faire ça. En jouant sur les deux tableaux, là, moi j'ai l'impression qu'on peut arriver à quelque chose de plus intéressant, là, de équilibré, plus équilibré que ce qu'on a en ce moment.
Donc, une nouvelle Simon, would you be able to do a summary of that for anglophones? With the quality of the line, I wasn't sure I was catching everything. Oui, c'est certainement. Tu pourras peut-être la retraduire après, Cathy. Donc, Hugo Prévost, qui est un membre de l'AGIC, qui nous appelait pour dire qu'il y a toute une réflexion à faire, à savoir si on va, par exemple, prélever une taxe Netflix qui va augmenter le prix de l'abonnement à Netflix, est-ce que on va réellement réussir à redistribuer des revenus, ou est-ce qu'on va faire fuir les gens qui vont vers Netflix pour avoir accès à des contenus canadiens ou non? Est-ce qu'on va les faire fuir et simplement perdre les revenus que Netflix peut générer en augmentant les tarifs? C'est une longue question, donc ça se résumerait un petit peu à ça, peut-être. So, Hugo from Montreal had a comment wondering whether if we tax Netflix, if it wouldn't end up just raising the cost of Netflix and scaring people off that service. I don't know if you want to follow up at all with Hugo. We all have another caller, Steve from Ottawa as well, if Hugo felt that he was finished. On va en rester là avec Hugo pour l'instant. Merci de nous avoir appelés. Peut-être pour continuer à mettre la table, à rentrer dans la question 2, ce dont on parle, en fait, c'est de la mise en marché des œuvres dans un contexte numérique, donc du modèle d'affaires des entreprises culturelles. L'enjeu, donc, c'est comment est-ce qu'on monétise les contenus, comment est-ce qu'on traduit les contenus en revenus, comment on redistribue ces revenus-là. C'est ce qui est au cœur de la transformation de l'écosystème culturel. Hugo parlait tout à l'heure de l'industrie de la musique qui a vécu cette transformation-là déjà. Ce qui semble un peu étrange, si on revient à la question 2, Cathy, c'est qu'on met l'emphase sur l'exportation des contenus canadiens et on parle de cette idée de renforcer la croissance de la classe moyenne au pays, alors qu'on sait que la majorité des créateurs sont plutôt mal payés, que leurs œuvres ont parfois de la difficulté à percer le marché local et national à cause de la concurrence étrangère. Est-ce que, par exemple, on ne devrait pas se demander plutôt comment la politique culturelle pourrait permettre de réduire la précarité des créateurs de contenu, d'améliorer la distribution de leurs œuvres? C'est une question qu'on peut soulever si on veut creuser un peu derrière la question 2 sur laquelle on se penche maintenant. So, Steve, I know that you're on the line. You've been waiting really patiently. We're in the middle of this question. It was an odd one. The first question was, how do we support creators? And I gather you'd like to talk about copyright. And then the second question was talking about, how do our cultural policies support the growth of the middle class? And how do we export our culture? And Simon's made the point that, you know, should we really be worrying about the middle class as a whole? Or do we need to, you know, worry about creators like yourself, perhaps, who can't make ends meet themselves and are at the bottom of the economic spectrum? What's your take? Tell us, share what you'd like on these questions, Steve. Okay, thank you very much. So I am a creative writer, and I love to write about how we can end unhappiness for good. And I post end unhappiness for good. Great. And I post fairly regularly on a Facebook page, and I do a live presentation there once a week. So I'm putting out my unique ideas here on a regular basis. And what I would love to know is that, you know, when people share this or when they use this or when, you know, they take it and present it as their own, that there is some kind of mechanism that would allow me to be accredited or compensated or, you know, in some way protected. So, Steve, I'm going to let Simon translate that so francophones can follow along, but stick around. I'd like to talk to you about it. Okay.
Steven est un auteur lui-même qui publie régulièrement des contenus, notamment sur Facebook. Puis, il se demande un peu comment faire en sorte que les contenus qu'il produit, qui sont parfois repris par d'autres, lui soient bien attribués et qu'il puisse en tirer des revenus. So, Steve, I mean, I know we're all, I think, familiar with how some people are monetizing their work. Tell me whether you think these are sufficient or if we need new policies to do something else. So, as you must know, some people are posting their stuff on YouTube and letting ads, you know, they'll get a certain amount of money, like a dollar every time somebody watches it. Other people are getting sponsors for their site. So, if you build a following, and sponsors, you know how many hits you have, they may put an ad for something. You know, have you tried any of those things, and are they sufficient, do you think? Well, I haven't been really focusing on YouTube. I've been focusing on Facebook. So I guess, you know, that's nobody's problem but mine, but those are good tips. But these are the questions that the Arabs... But still, I would like to have some mechanism of, you know, tracking who's using and where my content is going. So you can, if you do have a blog, you can track how many hits you're getting. And then, you know, you can sell sponsorship on that basis. But, you know, I'm not a social media expert. We're just collecting feedback for the Heritage Minister. Anything else you want to say? Do you do this full time, or are you trying to do it full time, but you haven't seen the bridge financially to do it yet? Yeah, well, I'm working on doing it full time. Like, I coach people one-on-one, and what I'm working to do is to, you know, bring more coaching clients. And in order to do that, I show them my expertise. So your website is like an advertisement for the one-on-one services that you have? In a sense, yes. Although I'm growing it also to help businesses and eventually cities. Okay, so you're using digital platforms to promote your work? Yes. Okay. Simon, did you want to round that up for Francophone's following? Thanks a lot for sharing with us, Stephen. And if you, I mean, we encourage you to put your feedback directly on the Heritage Minister's site, but it'll also be captured as part of a record of this show. Donc, Stephen parle de la façon de se demande comment les contenus qu'il produit pourraient l'aider, pourraient être mieux rémunérés, pourraient générer des revenus pour lui permettre de continuer à offrir ses services. Donc, une approche ici là, d'autopublication. L'autopublication, c'est une façon donc de diffuser ses œuvres, mais c'est très difficile, évidemment, en autopublication d'être... bien rémunéré. Alors, merci beaucoup, Steven, d'avoir partagé ces préoccupations-là avec nous ce soir. It's been my pleasure. Good. Thanks very much. There was on this question too, the part of the question that I thought was interesting, it's this business about how can cultural policies support the growth of the middle class? I'm not sure that that's necessarily an obvious connection for everybody out there, even people working in the media sectors. There wasn't a lot of explanation for it in the background paper. It made me wonder whether it's, I mean, we hear about places like San Francisco that are very socially liberal, and the fact that it's not an accident that Silicon Valley, you know, which is a tech hub, is located is located there, that innovative, creative environment, you know, creates more an environment for risk-taking and creative achievement in the technology fields. So I don't know if that's what she's getting at. What do you make of that? Mais ce dont toi tu parles, Cathy,
Puis c'est effectivement ce qui semble ressortir du document de consultation de Patrimoine Canada, c'est cette idée de favoriser ce qu'on appelle l'économie créative ou le secteur créatif qui est très présent dans les grands centres urbains et beaucoup moins implanté dans les régions rurales. Déjà, ça c'est une dimension de la question qu'il faut considérer. Est-ce que la politique culturelle doit soutenir cette économie-là qui est essentiellement urbaine ou le développement culturel sur tout le territoire dans les régions rurales. L'autre chose, c'est que les gens qui travaillent dans ce secteur-là, l'économie créative, ils forment ce qu'on appelle souvent la classe créative. Ils contribuent de façon importante à l'innovation technologique et commerciale, mais les emplois les mieux rémunérés dans cette économie-là, ce sont ceux qui sont dans le domaine de la création des plateformes, dans la technologie, alors que la production des contenus reste la plupart du temps sous-payée et tout à fait précaire. Donc, cette idée-là que la politique culturelle devrait favoriser la classe moyenne, ça voudrait dire d'attirer les créateurs de contenu vers le haut dans le spectre des revenus. Est-ce que c'est de ça qu'on parle dans le document, dans la consultation? C'est pas clair du tout. So Simon's wondering whether when they talk about the middle class, are we talking about getting creators themselves into sort of an egalitarian middle class, or are we talking about a middle class for society as a whole? I don't think that's clear. Trish from Regina, thanks for joining us. What's your take on these questions? Hi. Well, I just switching tack a bit, I was interested in the part of the question about reaching beyond our borders. One thing I think about is that will we be in danger of putting too much emphasis on exporting, which I know is good for individual creators, but we have so many communities that have, they're in a communications desert. We don't have local papers, we don't have local radio, and I wonder if that should be first priority or how you sort of balance those community needs. Simon, did you want to do a quick summary of Trish's comment, and then we'll can discuss a little more. Oui, absolument. Donc, Trish de Regina nous dit la question de soutenir l'exportation des contenus, c'est bien beau, mais il y a des endroits qui ont des besoins très, très forts en matière d'information locale. Est-ce que la politique culturelle devrait soutenir ces communautés-là pour leur permettre d'avoir accès à davantage d'informations locales? C'est la question de Trish. I had that same question, actually, Trish, when I first read this. I thought, you know, it's great to export our culture, as Simon says, it's good for individual creators. But should that be our first priority? I know that with the music industry, there was a feeling that once we had created a solid support for our music industry and our creators here at home, then they did do well internationally. But I agree with you. Is it putting the cart before your horse? You really have to develop that culture at the local level inside Canada first before you can expect it to export. And then I would also ask, this kind of came up in question one as well, if we're going to have, you know, the questions are quite clear, how do we support our creators? If we're talking about financial support, is the focus to direct financial support, if it's limited, towards creators that are specifically reflecting Canadian culture back to us? You know, do we care if the rest of the world, you know, specifically knows our story? And then Simon raised the point, maybe they might be interested in our fictional stories, but what does that mean for nonfiction content? Mm-hmm. Trish, did you have further comments or? No, I think you've raised some interesting points too. It's certainly something to think about. I wonder too about, you know, support beyond individual creators to things like, you know, media co-ops and helping communities organize around media. We don't see a lot of that right now, and it might help us get out of this desert where we just don't have any communications happening in our own communities here. I also think that in order to export artists that have a unique voice that's going to be found internationally, you need to be at the community level. That if you're everything's coming from Toronto, Vancouver, Montreal, it can become kind of
international in focus and not necessarily set it apart. Whereas if you think of a lot of Canada's, sorry, I've had a cold, funniest voices or comedians, or not to use a cliche, but Anne of Green Gables is one of our biggest exports of all times. I think that those unique voices often come from the fringes and need to be developed in communities before they can go onto the international stage. So I think you have a point there. Sorry, Trish, Simon, do you want to cap that for francophones? And maybe absolutely. Alors, Trish nous parlait du fait qu'il y a certaines communautés qui sont des déserts d'informations, c'est la façon dont elle formule, et que la politique culturelle du Canada devrait soutenir les initiatives de médias qui permettent à ces communautés-là de se donner des outils pour avoir accès à de l'information locale, à de l'information régionale. D'ailleurs, ça rejoint un peu la discussion qu'on voulait faire en mettant la table, en disant c'est bien de soutenir l'exportation des contenus qui peuvent avoir un intérêt pour des publics non canadiens, mais le document de consultation en parle, il dit, bon, le cinéma canadien, ça s'exporte bien, mais les petits marchés locaux, les petits marchés régionaux, c'est ceux-là qui ont le plus de difficultés à faire vivre leurs créateurs, à faire rayonner leur création, et surtout à offrir au public localement de la non-fiction, de l'information qui reflète les réalités locales, les réalités régionales. Donc, c'est un peu ce qui ressort du commentaire de Trish, c'est que on peut soutenir l'exportation des contenus, mais il faut aussi donner aux communautés localement les moyens de produire de l'information qui répond aux besoins des collectivités. I think this makes me think, Trish, of the, there was a CRTC decision in the summer that was extremely unpopular with the creative community. They downgraded the number of points that you needed to qualify for certain kinds of funding. It's like a point system for Canadian content, you know, whether it uses Canadian actors, if it's shot in Canadian locations, uses Canadian crews and so on. And they downgraded this particularly category of funding from, I think it was 8 points, 8 out of 10 points, you had to use Canadian talent, to only 6 out of 10. And I think the rationale was that that would make it easier for Canadians to access foreign investment. But it means, you know, maybe you've got more Americans on the screen. It's usually Americans, might be shot in an American city. So then you've got to ask yourself, well, if we're making co-productions so international looking that we can't tell they're Canadian anymore, does it really justify public funding at all? So they're complicated questions. There was examples like that. The CRTC had something called the Discoverability Summit back in May of this year as well. On the same theme, how are we going to be able to discover Canadian content in a digital world? And some of the invited speakers who've been quite successful, Canadian creators exporting content speaking, one was, I've forgotten the name of it, it's a kid's show about dinosaurs. And he was talking about how he had been able to leverage international financing. But if you look at that show, you really can't tell it's shot in Canada at all. I couldn't. I've seen episodes with my kids. So I think those are some of the key questions about how we're going to support creators, and if there's a finite pot of money, how do we pick which ones? Thanks a lot, Trish. Any last comments? And we'll probably move on to question three. No, I will leave it to the next caller. Lots to think about. Thanks very much. Thank you. So thanks to everybody for their input on question two. Comme pour la première question, on va essayer de synthétiser les choses qui sont ressorties, les éléments qui ont été mentionnés pour les soumettre dans un rapport pour le ministère du Patrimoine canadien. Puis je vous rappelle, vous pouvez aussi contribuer à la conversation sur Twitter si vous avez des choses à ajouter sur ce dont on parle ce soir. And we will be reviewing the Twitter feed and the phone comments after the show and posting them on our website at www.mediocracy.ca. So if you are shy to call in, but you've got comments after the fact, we'll make sure that we include them. Et si vous avez des choses à ajouter que vous ne voyez pas apparaître dans notre rapport, vous pouvez toujours soumettre vos propres conclusions directement sur le site de la consultation, consultationcontenucanadien.ca.
For those of you who have just joined us, I'm Kathy Edwards. With me is Simon Vliet. Sorry. Van Vliet. Van Vliet. Sorry, I knew I had that wrong, Simon. That's what comes of new partnerships. We're here tonight collecting input for the Heritage Minister's Canadian Content in a Digital World consultation. Alors, vous pouvez nous joindre à la discussion en nous appelant au 844-533-0727, le numéro qui apparaît à l'écran, ou participer à la conversation sur Twitter, comme je le disais à l'instant, en utilisant le mot-clé MEDIA-CR. Et maintenant, on va rentrer dans la troisième et dernière question de la soirée, Cathy. So the third question in the consultation is... How can we meet the challenge of promoting Canada's creativity in the digital world? And how can we use Canadian content to promote a strong democracy? Alors, la troisième question, et non la moindre, comment pouvons-nous relever le défi de promouvoir la créativité du Canada dans le monde numérique? Et comment pouvons-nous utiliser le contenu canadien pour favoriser une démocratie forte? So the number to call is 844, it's toll free, 533-0727. And to comment on Twitter, the hashtag is MEDIACR. So this question, it's my personal favorite in a way, coming from a community media background, which is all about inclusivity and making media more democratic. But I also think there's a real piece missing with those first two questions. They're all about how to support creators, which is great. I consider myself a creator. But how many of the Canadian public that end up as taxpayers paying for this content would consider themselves creators? You know, what about the rest of us? And I think the rest of us surfaces in this third question. You know, it's great if we support creators, but what if nobody wants to watch it? So I think this is an extremely important question. What do you make of that one, Simon? En effet, Cathy, pour moi, c'est vraiment la question la plus importante dans toute cette consultation, surtout comme nous ici, on se penche spécifiquement sur la question de la place des médias dans l'écosystème culturel. Le rôle des médias, oui, c'est d'offrir accès à des contenus de divertissement, de non-fiction, mais c'est aussi et peut-être surtout de donner accès à de l'information de qualité qui nourrit le débat démocratique. Moi, comme journaliste indépendant, bien évidemment, c'est cette question-là qui m'interpelle le plus dans toute cette consultation. I also think that if you think of fiction and non-fiction, even if you think our fictional, you know, our books and our movies and our, you know, fictional television shows, you know, if you're it's often a right-wing stance that they shouldn't be supported with public money. But what about the nonfiction? How can we say we're maintaining a healthy, active democracy if we don't know what's going on in our local town hall, if we don't know what's going on in our provincial legislature, if we don't know what's going on federally, if we don't know what big companies are doing, you know, people that are setting the pace of our society, if we don't have journalists and feet on the street, how are we going to know any of that information? And I think if you look at the Canadian Broadcasting Act, we're still operating under the 1991 Broadcasting Act now, although it's on the table that the Heritage Minister may rewrite it as part of this consultation. It defines three sectors in the system, the public sector, so that's channels like the CBC, Radio-Canada, the private sector, and the community sector. And it was traditionally the community sector, you think of town hall gavel-to-gavel meetings on cable community channels, that was sort of given the main responsibility for reflecting and disseminating democratic information at the local level. And then it would be a mix of public and private sector broadcasters and media that would do regional, provincial, and national coverage. So, you know, what happens if we have no public supports at all for that kind of content? C'est une excellente question, Cathy. Tu mentionnes que l'écosystème médiatique canadien, au fond, repose sur trois piliers. On a les radio-télédiffuseurs publics, comme Radio-Canada. On a TFO ou Télé-Québec aussi à l'échelle régionale. On a des entreprises de presse privées. On a les médias communautaires. Ces trois types de médias-là d'information répondent à des publics différents, produisent des contenus différents.
mais tous les médias à l'heure actuelle font face à la même réalité qui est celle du fait que si l'environnement numérique là, qu'on voit émerger depuis, disons, les 10 dernières années dans le domaine de l'information, cet environnement-là ouvre beaucoup plus de possibilités de diffusion. Ça efface un petit peu les frontières entre la presse écrite, la presse audiovisuelle. Ça oblige les médias à décliner leur contenu sur différentes plateformes. Cet environnement-là n'offre à peu près aucune possibilité aux médias de générer des nouveaux revenus supplémentaires pour justement financer la production de ce contenu-là. Au contraire, ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que les revenus au niveau des médias d'information sont captés par des tierces parties comme Facebook, comme Google, qui font essentiellement comme Netflix le fait pour la non-fiction, pour la fiction, font simplement redistribuer des contenus qui sont produits par d'autres. Donc, Facebook et Google ramassent les revenus de la distribution des contenus d'information, comme Netflix ramasse les revenus de la distribution des contenus de divertissement. Mais cette réalité-là, ça crée une crise sans précédent au niveau du financement des médias. On voit les conditions de travail des créateurs de contenus d'information qui se dégradent. On veut qu'ils en fassent plus pour plus de plateformes différentes avec moins de revenus. Et on voit la qualité de l'information qui est rendue disponible au public canadien être affectée par cette pression-là qui s'exerce sur les créateurs de contenu directement. Donc, cette question-là, effectivement, est vitale. Comment est-ce qu'on soutient une démocratie forte? Comment est-ce qu'on peut avoir une démocratie sans que les gens qui produisent des contenus d'information puissent le faire avec les ressources nécessaires, avec le temps nécessaire pour produire une information de qualité qui répond aux besoins des Canadiens et des Canadiennes à l'échelle locale comme à l'échelle nationale? So you're raising a good point that on the one hand, the existence of the Internet is breaking down a lot of old barriers so that lots of people can be heard or at least have a presence if you can find them. But what's the quality of that information and how do we maintain that quality if most of the revenue in the system is going towards services like Google and Facebook that are monetizing the distribution of this content but not having to pay for it? So it's a really good question. It'd be nice to know what our callers think. You can call us toll free at 844-533-0727 or by Twitter. The hashtag is MediaCR. Donc, on est maintenant prêt à recevoir vos appels, vos commentaires. Vous pouvez nous appeler donc au numéro sans frais 844-533-0727 que vous voyez à l'écran ou encore nous écrire sur Twitter avec le mot-clé MediaCR si vous voulez contribuer à approfondir cette discussion-là sur laquelle on avance. Donc maintenant, les enjeux démocratiques de l'univers culturel canadien, en particulier des médias, c'est central dans cette consultation-là. À notre sens, c'est la troisième question. C'est une question qui contient beaucoup de sous-questions. Cathy, est-ce que tu veux approfondir un peu là, les éléments justement de cette question-là? Well, the short form there on the screen is how can digital content promote a strong democracy? I think that the concern, and one of the callers early on was expressing this, that, you know, can you believe everything that you read on the internet? Can we rely on that kind of information? Is in part what underpinned the CRTC local and community TV policy decision that I was mentioning earlier that came out this summer, that they were concerned that internet content on its own isn't enough to maintain a strong democracy and that we need to prop up and support traditional journalistic organizations. And I think that sort of panic was the rationale for taking what had formerly been community TV funding and allowing these big companies to redirect it towards their conventional newsrooms. But it's an interesting move when we look at this question, how can digital content promote a strong democracy? I mean, those conventional newsrooms are posting their things on digital platforms. If you think of Global and CTV, CBC, et cetera, sure, they have a digital presence, but in a way it's allocating funding to support legacy infrastructure, perhaps, rather than supporting a lot of, as you say, there's a lot of independent journalists that are trying to be seen.
like we were just talking to Steve now, that's trying to have a presence on the internet, but can't figure out what are the means of support for him. And it also begs the question, if we're going to be putting public money, you know, this is money that comes from the cable and satellite industry, from television subscriptions, as you said, it's one of the sources of money in the system, into conventional news organizations, and there's very few. They're owned by so few organizations. You know, Rogers, Shaw, on one hand, you can count them, Videotron, these big companies that now own Global and CTV and our last independent news networks. If all the resources in the country are being spent by them, then how can we say that that's a diverse media environment? You know, we're supposed to believe things on three or four platforms and disregard everybody else because it's that rabble on the internet. There definitely seems to be an imbalance. Il y a effectivement deux éléments que tu soulèves qui sont intéressants, Cathy. Le premier élément, c'est comment est-ce que si on soutient l'industrie telle qu'elle est actuellement, on va effectivement soutenir un écosystème démocratique ou qui renforce la démocratie quand on sait que la propriété des entreprises de presse se concentre à des niveaux absolument records au pays et que ça a des impacts très directs sur l'indépendance des salles de rédaction, par exemple, en plus de mener à des compressions toujours plus importante dans les salles de rédaction. On voit des centaines et des centaines de postes de journalistes qui sont coupés chaque mois ou chaque année, en tout cas depuis des années. La profession, le nombre d'emplois comme producteur de contenu d'information au Canada est en chute libre. Ça, c'est très, très inquiétant et c'est certain que il faut se demander, est-ce qu'en donnant de l'argent aux entreprises existantes, on va arrêter ça? Ou est-ce qu'il faut donner de l'argent à des entreprises émergentes qui vont pouvoir donner des emplois aux gens qui se font mettre dehors des grandes entreprises de presse? C'est une question. L'autre question que tu soulevais, qui est intéressante, c'est de dire, oui, effectivement, le contenu numérique spécifiquement, parce que c'est de ça qu'il est question, donne accès à une abondance d'informations. Par contre, quand on regarde de plus près, souvent, ce sont les mêmes informations qui sont déclinées sur différents contenus ou différents contenus qui reprennent essentiellement la même information. Et donc, l'abondance dont le document de consultation fait état quand il parle de contenu numérique, cette abondance-là, elle n'est en fait qu'apparente. En réalité, il y a un manque de diversité, il y a une diminution assez importante de la diversité des voix, des points de vue qui sont rendus disponibles dans l'espace public par le biais des médias. Et puis, le fait d'avoir énormément de quantité de contenu, ça n'assure pas nécessairement du contenu de qualité et ça nous ramène à la question, comment faire en sorte de rehausser la qualité des contenus? Mais il faut soutenir directement les gens qui créent ce contenu-là. Donc, on revient un peu aux deux premières questions. Comment est-ce qu'on soutient les gens qui créent des contenus qui permettent de créer une conversation démocratique comme on essaie de le faire ce soir avec cette émission? Ce sont les questions qu'il va falloir se poser collectivement pour vraiment renforcer l'écosystème démocratique des médias. When you're talking about the loss of newsroom jobs in conventional media, which of course has been of concern to journalistic associations and organizations, it reminds me when I went to the 2008 Diversity of Voices hearing, which was held by the CRTC, there was this widespread concern that as we allow these media mergers, there's too few owners and too few places people can work. And there was a lot of concern at that hearing, mainly came from journalistic organizations saying, that we want to keep the newsroom separate. We don't want to allow, if the same owner has a newspaper and a radio station and a television channel, that the editorial newsrooms are one, because we want to maintain different voices among those different organizations, even if they're owned by the same umbrella organization at the top. And I remember at that time thinking, like, that's weird. That's just not efficient. Like, surely what we want to be doing, rather than allowing companies to get huge and then have to make artificial barriers in how efficient they can be in their running operations. Surely what we want is to have more small organizations
that can be nimble. And if they want to post multimedia websites that have podcasts and videos, and they also publish, you know, a community newspaper, why not? It just seemed to be going at things from the wrong way. Effectivement, c'est toute la question de... Puis c'est comme on le voit, ça nous ramène aux questions précédentes. Mais essentiellement, c'est le système tel qu'il est conçu actuellement soutient les acteurs, les joueurs qui sont présents et qui prennent, qui monopolisent déjà, si on veut, la majeure partie des ressources et des revenus. On voit que cet écosystème-là a besoin d'être soutenu dans une transition vers des nouveaux modèles. Mais la question qui se pose ici, c'est est-ce que le soutien qui viendrait du gouvernement du Canada dans le cadre d'une nouvelle politique culturelle doit aller prioritairement à l'industrie telle qu'elle existe actuellement ou s'ouvrir à toutes sortes de nouvelles formes de production de contenu. C'est toute la question. Tout à l'heure, Hugo Prévost disait on soutient toutes sortes de choses à l'heure actuelle avec les programmes existants, notamment des magazines qui sont considérés comme des magazines d'information, mais qui sont au fond peut-être plus des magazines de divertissement ou des magazines à potins sur la vie des stars, etc. Est-ce que c'est une allocation de ressources qui est bien réfléchie? Donc, il y a toute la question des critères d'attribution des aides publiques qui se posent. Donc, si on veut, on a deux grands enjeux qui se recoupent à travers ces trois questions qu'on a abordées. D'une part, c'est comment générer des revenus, comment mieux redistribuer ces revenus-là. Donc, la question de la monétisation des contenus, d'une part, et la question de l'attribution de ces revenus-là à tous les gens qui essaient de produire du contenu au Canada. Et c'est certain que de centraliser les aides qu'on est capable de donner à très peu de joueurs, ça semble être une stratégie à risque pour vraiment favoriser la diversité des voix au Canada. If I was to play devil's advocate with you, Simon, this is what my brother would say, who's quite right-wing. He would say, you're making a socialist argument that there's a fixed pot of money and we need to make sure that that pot of money is more fairly distributed. I think some of the language in the paper, I don't know how realistic it is, but I would think that there is something in it. You know, there's a big digital universe out there. There's people making money. Video games are burgeoning. Perhaps it's not a fixed pot of money. And what we need is, like Steve was looking for, more viable models where all of us can do better in this environment. But to move to another, so that's my devil's advocate response to what you've just said. There's one other thing I thought was interesting to do with media diversity in the background paper that underpins this question of how does digital content support a strong democracy. In the paper, it says, Canada's diversity is a strength. And Canadian content that reflects our diversity strengthens our democracy. A new cultural model must leverage this diversity, recognizing it as a competitive advantage, a source of innovation, and a contributor to the cohesion of our society. So I completely agree with that statement. And yet, it's another thing I've always thought was weird about the Canadian media landscape, that we've been diverse for a long time. We've been, you know, the two founding nations picture, all the immigration that's happened since English and French Canada came together. First Nations were here first, as the name suggests. And yet we've always enforced solitudes in silos in our media system. So, you know, we have APTN, we have the CBC and Radio Canada, and never the twain shall meet. You know, where is the bilingual media that gets us to look over our neighbor's fence? Obviously, that's something we're trying to break down here tonight. So how are we creating cohesion when we reflect back only a segregated view of our society? So I think this isn't all just about financial models, but it's also about how do we implement those models once we have money in our hands? Like, I think there's a lot more we could have been doing to support a strong democracy up until now, digital world or not digital world. Effectivement, Cathy,
on voit que l'écosystème, ben, au-delà de ce qu'il y a dans le document de consultation, puis tu mentionnes bon, cette idée de construire un nouveau modèle culturel qui fait en sorte de mettre en valeur la diversité, d'en faire un avantage compétitif, une source d'innovation, la question reste à savoir qui est-ce qui offre ces possibilités-là d'innovation, qui est-ce qui crée ces nouvelles formes de cohésion à travers le secteur culturel. L'initiative qu'on prend ce soir de faire une émission bilingue diffusée à travers tout le pays, ça va dans le sens de briser un peu les silos dont tu parlais, donc anglo, franco, Première Nation et puis toutes les autres médias qui s'adressent aux diverses communautés du Canada. Donc effectivement, il y a une réflexion à avoir, à savoir comment créer des modèles qui permettent de faire de l'information autrement qu'en la compartimentant comme le font les entreprises existantes. C'est des grandes questions qu'on pose aujourd'hui, puis qu'on va pouvoir explorer dans la série Médiacratie aussi, qui va se poursuivre quand on finira le programme ce soir, l'émission. On ouvre beaucoup de portes. On va pouvoir continuer à avancer sur ces discussions-là avec la série qui s'en vient. I definitely think that the digital platforms make it easier to get over some of these hurdles or barriers there's been between people up until now. So for example, even if you think of, many First Nations live in isolated areas, there's small numbers of people, where it's really difficult to support media production. But now with the internet, like we're doing tonight, it's way easier to talk to people to the extent, and then that comes back to bandwidth access by Canadians in rural areas, but to the extent that we break down those bandwidth barriers, we should be able to have better, more inclusive conversations in the digital era. Effectivement, Cathy, et c'est peut-être là-dessus que je terminerai pour cette troisième question. La façon la plus efficace pour le monde numérique de démocratiser l'information, c'est de donner accès aux ondes publiques à la plus grande diversité de voix, donc d'ouvrir des espaces avec les possibilités technologiques que nous offre le numérique, d'ouvrir des espaces comme on le fait ce soir où des gens de partout au Canada peuvent échanger sur des sujets qui les touchent. C'est une façon d'utiliser le numérique pour renforcer la démocratie. Maintenant, ça prend énormément de ressources et comme tu le dis, c'est pas l'accès au monde numérique n'est pas équitable partout au Canada. Il y a des endroits où on n'a pas accès à la bande passante qui permet aux gens, par exemple, de regarder l'émission qu'on diffuse en direct sur le web. Peut-être qu'ils ont accès au canal de Bell Express View sur lequel on est diffusé pour nous voir à la télévision conventionnelle, mais les gens qui n'ont ni la bande passante pour voir une diffusion en direct, ni l'accès au satellite, n'ont pas accès à l'espace démocratique qu'on ouvre ce soir avec un programme, une émission comme Médiacratie. We've got a couple of minutes left here. The one last thing I thought it's important to mention, if viewers haven't had a chance to look at the background paper themselves, although local media isn't mentioned in these three questions, there is a section in the pre-consultation paper that says, and this was the result of a survey done by the Heritage Ministry, like a pre-consultation phase that they did this spring. It said 88% of public respondents expressed the view that it was important to have access to local content in their community. Content that is relevant, tells stories that speak to about communities, create bonds, and foster an important sense of belonging. I think it's great that this is in the consultation paper, because again, I think it underscores the need for, where public and private media isn't present, that we have ways of helping communities that are disadvantaged, may have bandwidth barriers at the moment, may have skills barriers, may even have, if you think of inner city neighborhoods,
language barriers to participate, because digital media, it is easy to participate, but there's still an infrastructure and a training threshold that people need to get over. And that's traditionally the role of community media. So I was really pleased to see that section in about local and community content in there. So I think that that's going to be a key piece in making sure that all Canadians can take advantage of this new digital environment. Absolument. Donc, que la politique canadienne, finalement, permette de démocratiser l'accès aux médias, de donner aux gens les outils pour produire eux-mêmes du contenu et mieux évaluer les contenus auxquels ils sont, qui leur sont offerts. Ce sont des choses que la politique culturelle canadienne pourrait faire pour améliorer l'écosystème démocratique, définitivement. So, thanks to those of you who called in. Thanks, Simon, for your thoughts, too, working with me here tonight. If you excuse me, would like to see the report and the summary from the program that we produce, it'll be on our website at www.mediocracy.ca, or you can participate directly in the consultation by the Heritage Minister and not go through us as a filter. Use your democratic rights and raise your voice directly with her and with the Heritage Ministry. And finally, we'd like to thank Deepak Sahasrabuddha of New West TV for the technical wizardry in making this program happening and assembling all our feeds in one place, and also Gabrielle Brassard for moderating the phone lines. Et évidemment aussi à CHCO TV à St. Andrews au Nouveau-Brunswick, qui a rendu la diffusion nationale de cette émission possible sur Bell Express Vue, une innovation assez majeure qu'on vous proposait ce soir en télévision canadienne. And thanks also to Open Media, Ricochet and Rabble.ca for promoting and offering the stream of tonight's program on their websites. Donc, si cette émission vous a plu, restez à l'affût du lancement officiel de la série qui va avoir lieu au début de l'année prochaine. Vous pouvez suivre ça sur le site mediocracy.ca où on va mettre, comme Cathy le disait, le résumé là, des discussions qu'on a eues ce soir. Et vous pourrez donc consulter ça et on se retrouvera au début de l'année prochaine pour une série qui approfondira toutes ces questions qu'on a ouvertes ce soir sans nécessairement trouver des réponses à tout. Yeah, so check back at www.mediocracy.ca in January for our full weekly series launch. Please tell us what you think. It won't be just Simon and I then. We'll be having guests on, media thinkers from different areas. We'll be exploring more detailed things like media ownership concentration, net neutrality, what would a tax on ISPs look like, copyright rules that were raised by Steve earlier tonight. Alors voilà, ben merci beaucoup de votre participation et merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Comme je le disais, est à ma connaissance une première en télévision canadienne où on produit une émission comme ça entièrement sur Internet à partir de plusieurs villes et qu'on la diffuse partout à travers le pays, sur Internet et sur le câble.